Ouais, 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 survivant, bienvenue sur VLFR.gaming. Bon, on se retrouve aujourd'hui sur notre PTR 2.0. Donc si je dis pas de bêtises, c'est déjà disponible sur certains états. 465, si je dis pas de bêtises, je crois que Jean-Phi m'a dit qu'il l'avait déjà. Donc, Migo 9. Donc, gros étonnement de ma part. Le Migo 9 va être le Migo avec les mammouths. Donc, moi, j'étais pratiquement sûr que ça, c'était nos prochains skins point d'honneur. Malheureusement, non. Donc, malheureusement, oui et non. Ça va être... Est-ce que c'est plus facile? Je trouve que c'est plus facile d'avoir les points d'honneur que d'avoir des points Migo. Forcément, les points d'honneur s'obtiennent avec le ranking killer, donc c'est plus facile pour moi. Après, pour d'autres joueurs, ça va être plus facile d'avoir les skins Migo que d'avoir des points d'honneur. Donc, bon, un bien pour un mal, à voir comment ça va se passer. Donc, retour du Migo normal, retour de notre gare, de notre station. Avec le Wall Broker qui revient, donc avec ce que vous avez l'habitude, ce que vous avez connu déjà cette fois, donc augmenté avec les différentes statistiques, le Wall Broker, la durée du Wall Broker, les dégâts du Wall Broker. Vous savez que vous devez l'emmener à 20k de dégâts, comme ça seulement deux Wall Broker permettent de téléporter, de kicker un château autour de la capitale. Alors que si vous êtes à 6, 10, 12, 14, il va vous en falloir 3 ou 4. C'est ennuyant. Donc voilà, la priorité, comme d'habitude, c'est de le monter à 20k de dégâts. Donc ensuite, on va avoir notre Migo habituel, donc avec nos tasks, les intels, la résurgence, ce petit mode qui va s'ouvrir. Donc dans 23 heures, pareil, je vous ferai une petite vidéo sur le sujet. C'est un remix de la Horde infectée, pareil, avec des récompenses qui vont nous permettre de récupérer quelques petites récompenses, mais c'est toujours mieux que de rien avoir. Et surtout que vous savez que les alliances d'honneur, les points d'honneur pour récupérer nos tickets de transfert sont très importants. Donc voilà, ensuite avec d'autres récompenses, mais on les voit pas. Ah si, voilà, équipement de chef encore et toujours. Donc attendez-vous à avoir une mise à jour bientôt dessus, parce qu'on commence à avoir un stock vraiment important sur ça. Donc ensuite, nos mammouths, on va aller les voir quand même, nos skins. Donc skin mammouth, on a le petit ici, le classique, et on a le advanced qui va être là. Alors la vue intérieure, c'est ça qui nous intéresse aussi sur ces skins là. En 3,5 le premium, donc avec toutes les décorations, le mur, les casernes, le labo, donc qui a l'air sympa. Les cadres, ça va être lesquels? Ça va être ces trois là. Donc le gros en 2,5, Ancient Gaz, le Age of Frenzy. Et le Shackle Breaker, je sais pas comment on prononce ça aussi. Donc voilà, ces trois cadres et les déploiements qui vont être... Ils sont où nos déploiements? Voilà, alors, hop, nos trois déploiements. Le standard, le deluxe et le premium. Et donc, c'est pas des skin effects. Erreur de ma part. Donc voilà, nouveau Migo qui devrait arriver incessamment sur peu. Certains comme moi sur le 21, on a nos tigres, si je dis pas de bêtises, aux alentours de niveau 30-35. Certains états l'ont déjà, aux alentours des 400, des états 465 sont déjà sur le Migo 9. Donc voilà, on va l'avoir incessamment sur peu. Et donc c'est la rebelote, hein, comme je vous ai dit. Les intels, la horde, les infectés, ouvrir ses rallyes. Vous allez avoir les défis de clan, les softs, le même ranking. Il va falloir vous battre et pour pouvoir récupérer à chaque fois les rewards, les points d'honneur et pouvoir récupérer toutes les décorations. Vous connaissez, hein, on fera une vidéo quand ça sera sur mon état et quand j'irai récupérer tout ça. Mais voilà, le but, c'est de récupérer le gros, si on peut le récupérer. Donc se classer top 1 minimum au soft
et OSVS, et ça vous assure un top 1. Une fois que vous avez votre top 1, normalement, vous êtes pratiquement sûr de pouvoir récupérer tout le reste tranquillement. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!